Lors de la saison 10 de L'amour est dans le pré, diffusée en 2015 sur M6, il était impossible de passer à côté d'Annick. La prétendante de Thierry était devenue très rapidement une figure incontournable de l'émission présentée par Karine Le Marchand. Malheureusement, elle nous revient pour annoncer une mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux. À lire aussi, Kanye West révèle le visage du responsable de la mort de sa mère, Louis Tomlinson. Après la mort de sa mère, il apprend le cancer de son père. Jeanne Manson, sa mère adorée, est morte. Annick en deuil, elle a perdu sa maman. C'est sur son compte Facebook qu'elle a informé sa communauté. Ce matin, ma maman est décédée. Son état de santé s'était dégradé depuis ces quelques jours. Courageuse, elle s'est battue jusqu'au bout comme je l'aurais fait sans doute. Elle est partie la petite Huguette, comme l'appelaient tous ses amis de Chosy. Sans tambour, ni trompette. Et elle ira retrouver son mari petit Louis décédé en février dernier. Pour elle, ce sera vendredi le paradis. La vie est faite ainsi. Un jour triste, un jour, a-t-elle déclaré le 18 juin 2018, après avoir posté une photo d'elle au chevet de sa mère. Celle qui a retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Eric, a également partagé le dernier cadeau que sa mère lui avait offert, un petit ours en peluche. « Je n'ai pas pu le laisser », a ajouté Annick. L'ancienne participante de L'amour est dans le pré a fini par remercier toutes les personnes qui l'ont soutenue dans cette épreuve très difficile, un grand merci pour tous vos messages, très touché par vos marques de sympathie.